y en a deux normalement. Bon, un VK, c'est super. Il va peut-être briller. Moi j'en rêvais de Second Life en fait, parce que Second Life c'est un univers où on n'est plus un créateur, on est une créature à l'intérieur de l'œuvre en fait. On vit à l'intérieur de l'œuvre, on entre dans l'image. En fait on habite l'image. Et ça, c'est une expérience très différente mais dont je rêvais quand j'étais jeune. Et aujourd'hui avec Second Life je peux vraiment réaliser ce rêve là, c'est de vivre dans l'œuvre, de rencontrer le spectateur à l'intérieur de l'œuvre, d'être une créature. Voilà. Je fais des expos sur Second Life qui sont complètement indépendantes des expos réelles. Mais aussi je mélange les deux comme là, je mélange à la fois Second Life et le monde réel, et le monde réel en fait. La plupart des expos que je fais maintenant, il y a un vernissage en même temps en virtuel. On est en fin de soirée, ça se termine. La soirée donc, du catalogue raisonné qui est sorti juste à temps, le jour même, ça, après au moins une année de travail. Deux tomes de 440 pages chacun, reprenant 4200 œuvres référencées sur 40 ans de création artistique. Cette édition librairie a été réalisée en 800 exemplaires. Et nous avons différentes éditions, édition Ex-Libris, édition Prime. À bientôt dans le monde virtuel.